مشاهدي صوت الساحل التونسي عسلم ومرحبا بكم. اليوم فريقنا حضر لمواكبة ندوة نظمتها المدرسة العليا الخاصة بالهندسة والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة لسبيتا المنضوية تحت مجموعة إهاش. الندوة هذه كانت لمناقشة مجموعة المشاريع والاقتراحات اللي اقترحتها جمعية سوس فيتور، جمعية سوسة المستقبل. هذه المشاريع اللي ترمي لإنشاء المدينة الذكية أو سوسة التي يحلو فيها العيش ويطيب فيها العيش الكريم. لمتابعة مزيد التفاصيل تابعونا في الروبرتاج التالي. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour les étudiants. Je sais que vous êtes obligés, je suis désolée. Parce que ça, c'est vraiment un concept qu'on essaie un peu d'instaurer à l'ESPITA. Et justement, pour un peu inciter les étudiants à aller le maximum possible vers la prise d'initiative, vers des réflexions qui portent sur des projets du futur. Et ce module qui s'appelle Séminaire et Atelier, c'est un module qui va venir un peu clôturer, boucler toute une phase d'apprentissage théorique. Et on va inviter pendant toute l'année des intervenants qui sont dans la vision de la ville du futur, dans le monde du futur, pour un peu instaurer cette culture de la prise d'initiative et de la force de proposition chez les étudiants. Bonjour, futur ingénieur. Je m'appelle Haïs et je suis le cofondateur et CEO de Naviacom. Donc, Naviacom fournit des solutions télématiques pour les entreprises pour bien gérer leur flotte et pour optimiser leur flotte. Imaginez si vous avez un grand nombre de véhicules disponibles sur le terrain et vous n'avez aucune idée sur le remplacement de vos véhicules. Le budget alloué à la maintenance est devenu très énorme. Vous n'aviez aucune information sur le comportement du conducteur sur terrain et la consommation de carburant qui est devenue très élevée. Tout cela va impacter négativement sur la rentabilité de l'entreprise. D'où la présence de la solution NaviaFleet. Avec NaviaFleet, on va sécuriser tous vos actifs, on va impacter positivement sur le comportement de votre flotte. On va contrôler tout ce qui est comportement du conducteur et contrôler la consommation du carburant. Je suis très fier d'être là aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de conférences. Je ne suis pas ingénieur, mais je suis architecte penseur. Dans ma ville, et j'essaie de vous montrer comment on pense pour être smart. C'est un très bon exemple. Mais il fait, il est 0,00001 smart. Vous avez vu un point dans le bahar. Il y a un détecteur, c'est un moyen très efficace de contrôler sa voiture, son camion, sa société, etc. On rêve pour accomplir sa vision ou son smart. Puisque il a fait un peu son projet à partir d'une idée, d'un rêve qu'il a accompli, tout simplement. احنا اليوم مش ننطلقوا من مدينتنا وهي مدينه في العالم نجمو نتكلموا عليها، ما اليوم باش نتكلم على بلادي اللي نتوما ناسينها وتحكيوا على سمارت وتحكيوا على كل شيء، مي راهو في الاخر باش نعيشوا لهنا باش نحكيوا في سمارت نتاعنا. تو سامبلومون ici on a fait passer la circulation au sous-sol avec un énorme parking dans toutes les directions et on a laissé la place aux habitants de la ville, aux invités, aux touristes et ainsi de suite pour faire ce qu'on appelle l'animation de la ville dans chaque ville du monde. Il y a ça, donc on va faire une placette intelligente et smart et déjà il y a, c'est un projet. On parle du parking, on parle de l'éclairage, on parle de beaucoup de choses qui peuvent vraiment smart dans cette placette, qui peuvent être un exercice pour les ingénieurs, pour les élèves d'architecture, d'ingénierie et ainsi de suite. Donc c'est un exercice extraordinaire d'intelligence dans cette ville-là, au milieu de la ville. Bien sûr, il y a le tramway qui passe, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau sous-sol, au niveau rez-de-chaussée, si on peut appeler ça rez-de-chaussée au niveau de la placette, qui vont vraiment donner le plus à cette ville-là. Donc, voilà, c'est la ville de Sousse dans 15 ans à peu près.
Je l'espère bien. Sabrine Kineni, مديرة المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية. اليوم عملنا ندوة، ندوة فيها ورشة عمل زيادة عن المدن الذكية مع جمعية سوسة المستقبل. دونك كانوا بحثينا ستارت اب نافيا كوم مع سي قيس الكنيني، هو سي او نتاع ستارت اب هذيا، مؤسسه ناشئه تخدم على معناها كيفاش تعمل لا جيستيون نتاع لي فلوت الكماين، كيفاش تخدم على الحوكمه والاستعمال الرشيد نتاع الطاقه ولا معناها لي فلوت اوتوموبيل. حكينا زيادة على المدن الذكية، كيفاش اليوم التونسي يرى مدينة ذكية، كيفاش الطلبة ينجموا يساهموا في تطوير إنجاز والتفكير كذلك في مدينة ذكية. سوسة نحبوها تكون مدينة ذكية، وجمعية سوسة المستقبل خدمت على المشروع هذا منذ 10 سنوات. اليوم المشروع هذا يتحقق، وإحنا كجامعة وكلية مهندسين تكون في les ingénieurs de demain، معناها المهندسين اللي باش يخدموا فيها المدينة الذكية هذه. اليوم من بين المهام نتاعنا اللي احنا نقدموا الفكره نتاع سوسة المستقبل، كيفاش يراو سوسة ذكية غدوة، كيفاش نجمو نعملو فلاحة ذكية، نقل ذكي، تكنولوجيا ذكية، كيفاش نعملو مدينة مزيانة وذكية، وكذلك مدينة نجمو نعيشو فيها ما تمثلش خطر على الأجيال اللي باش تجي، وكذلك تكون مدينة تحترم الطبيعة، تحترم معناها الأهداف المستدامة نتاع الأمم المتحدة.